Allez, bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos audio préférées. J'espère que vous allez bien, en tout cas, ça j'espère. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et peut-être sur l'Obscur Clan, on verra bien. Aujourd'hui, les amis, on n'est pas là pour rigoler, je vous le dis très clairement. On va niquer des mères. On va niquer des mères. Ça va être une. C'est pas une vidéo coup de gueule, je vais pas essayer d'insulter. Mais il va falloir que je mette sur la table certains points, il va falloir que j'explique certaines choses. On va fermer des bouches aussi, on va fermer des bouches aujourd'hui. Ça passera peut-être sur l'Obscur Clan aussi, désolé pour cette semaine, une semaine drama, parce que à l'heure où sortira la vidéo, peut-être, je crois qu'il y aura sorti une autre vidéo, enfin bref, drama du même style. Voilà, pour ce qui est du gameplay, on vous met tout simplement un des meilleurs gameplays de Call of Duty Black Ops 3, et Nuclear OSVG 100 en moins de 5 minutes, 4, en 4 minutes je crois, encore réalisé par Stéphanois, voilà. Tu vois, maintenant Stéphanois, il nous sort tellement des beaux gameplays qu'on les met en gameplay de fond, tu vois, tellement on est habitué à voir des gros massacres de sa part. Je mettrai sa chaîne en description, bien évidemment. Il approche des 400, des 4000 abonnés. Excusez-moi, ça c'est moi les 400. Moi c'est les 400, lui c'est les 4000. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Il vous propose des énormes massacres. Donc voilà, franchement, petite pub sympa pour lui. Et du coup, si la vidéo sort sur l'Obscur Clan, bah, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne et sa chaîne aussi du coup. Pour ce commentaire, j'ai pas pris de notes, j'ai rien pris en support. Je vais essayer de vous parler avec mes mots, avec ce que je ressens par rapport à certaines choses. Donc voilà, on va parler premièrement de la Sigma, ok? Vous êtes tous au courant, pour la plupart, si vous n'êtes pas au courant, ok. Nextaz, Aerox et toute la clique, ils ont quitté l'Obscur Clan, on le dit officiellement, ça a été annoncé par eux-mêmes sur leur chaîne, etc. Ils ont quitté l'Obscur Clan il y a quelques semaines, ils ont donc créé leur chaîne, leur team, la Sigma. Bien sûr, aujourd'hui, on va pas insulter cette team. Déjà, on n'a aucune raison de le faire, ça reste une team concurrente comme n'importe quelle autre team. Avec des membres bien sûr, hein, leur petit plus à eux c'est qu'ils ont bon une grande partie de l'élite de la performance française. Bref, mais maintenant il faudrait les amis qu'on mette des trucs au clair avec les abonnés. Ok, il y a des abonnés qui croient que l'Obscur est morte. Voilà, je pense que je mettrai ça en titre, l'Obscur Clan est morte, point d'interrogation. Voilà, un peu de titre aiguilleur aussi pour qu'on fasse nos vues, parce que bon, hein, faut que les gens voient cette vidéo. Donc il y a des gens qui croient que l'Obscur Clan est morte, ils croient que dans l'Obscur Clan il reste plus personne. En fait, les amis, il faut que vous compreniez que c'est pas parce que il y a des têtes d'affiche qui partent qu'il n'y a plus personne, mec. Attends, pour vous le prouver, dès que Nextaz, Xerox et toute la clique sont partis, on a fait 14 vidéos en une semaine, mec. 14 vidéos en une semaine, on a pris 2000 abonnés en une semaine. Normalement, on prend 1000 abonnés par semaine, tu vois. Et ça vous prouve, on a franchement, les gars, on a une équipe, mais soudée. J'ai jamais vu une équipe performance aussi. Aussi active, aussi soudé, les mecs, ils sont tous là, tous les soirs, ça conf de ouf, mon gars, t'as plus de 1000 messages par 30 minutes en plein soir, enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. Et d'accord, on a perdu des gros membres. On a d'ailleurs perdu peut-être la moitié de notre effectif. Non, un tiers de notre effectif. On était dans le mal, hein. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que là, on est une vingtaine dans la conf. Pour une team performance, c'est peu. Enfin, c'est la moyenne, voire peu, tu vois. C'est vrai que on a perdu de très bons membres. Qui était d'une part influent, hein, ça on peut se le dire, les mecs ils ont 60 000, 40 000, 30 000, plusieurs milliers d'abonnés, c'est très influent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la performance, nous, on reste une team de 30 000 abonnés. La Sigma, c'est une team concurrente, mais c'est rien par rapport à nous, tu vois ce que je veux dire? La Sigma, elle peut faire mal, elle peut nous faire mal. Mais pour l'instant, arrêtez les gars, arrêtez les abonnés de venir sur nos lives et de mettre des hashtags Sigma. Arrêtez de croire en des idées qu'on vous fout dans la tête, alors que finalement, peut-être que dans 3 semaines, cette team, elle va s'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de pas se faire sa propre idée. On vous dit de sauter d'un pont, vous allez le faire. On vous dit de suivre une team, vous allez le faire. Regardez, par exemple, hein, je prends des exemples. Nextaz, il a quitté quoi? Il s'est fait kick Apex. Vous avez tous insulté l'Apex comme des gros cons. Nextaz, il rentre Obscur. Vous allez soutenir l'Obscur. Nextaz, il quitte Obscur. Vous insultez l'Obscur. Non mais sérieux. Non mais les mecs, achetez-vous une vie. Non mais je suis désolé, mais il y a un moment, faut un peu réfléchir quoi. Donc voilà, et franchement, mais je pense que les Nextaz et tout le bordel, parce que bon, je crois hein, que c'est la team à Nextaz, bref, on s'en fout un peu, mais ils doivent pleurer derrière leur écran. Ces mecs-là, en voyant leur commu faire ça à l'Obscur Clan, et d'ailleurs ils sont partis sans embrouille, enfin ce que je veux dire c'est que, voilà, on a aucun problème avec eux, hein, mais ils doivent se dire, mais c'est qui ces cons quoi? Croyez pas les gars que vous êtes... Vous faites partie de la communauté la plus chère qui est à la Sigma Clan. Vous faites partie des grosses bites, des grosses merdes qui servent à rien, qui sont juste là pour insulter, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'espère m'être exprimé pas trop méchamment, on va dire. D'ailleurs, je voulais juste préciser que je parle à même pas 1% de notre communauté. Sur 1000 messages de soutien, je pense qu'on en a peut-être une dizaine qui sont des messages qui nous rabaissent et qui finalement, ça nous fait mal. Hein. Je pense que tout youtubeur vous dira que
sur peut-être une centaine de messages de soutien, ne serait-ce qu'un seul message qui te dit que t'es une grosse merde, que tes vidéos c'est de la merde, etc., ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Et des fois, on peut se remettre en question sur... On se remet en question sur finalement des choses... Des... Comment dire, une argumentation qui n'est même pas fiable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'espère m'être exprimé au mieux. J'espère aussi que certains membres de cette team, à la Sigma Clan, verront la vidéo et qui pourront se rendre compte que finalement, t'as des mecs de leur communauté qui viennent les décrédibiliser. Ils viennent pourrir l'image de la Sigma Clan, alors que finalement, eh bien, c'est une team totalement respectable, en fait. Bon, allez, les amis, la vidéo est finie. N'hésitez pas à commenter. Je veux pas un pavé, hein. Je veux juste, voilà, un petit commentaire constructif sur ce que vous pensez de ça. Si vous nous soutenez toujours, si vous préférez la Sigma à l'Obscur Clan, pourquoi, etc. Donnez des arguments fiables, les gars. Ça, faudrait que vous mettez ça dans la tête. Bon, allez, lâche ton like et abonne-toi. Et c'était PsyWar. Ciao.